Bienvenue au Triangle Sudbury. 7 jours de course, plus de 40 départements représentés au départ avec 4 pays, donnant place à des étapes très mouvementées. Au fil de la semaine, vous pourrez me voir dans les échappées, dans les bordures, des descentes sinueuses, des montées interminables de plus de 3 km, mais aussi craquer et exploser. Et je suis surtout désolé. Je prendrai le départ d'un contre-la-montre et à des circuits ultra difficiles. Franchement, c'était une course très très difficile. J'aurai aussi le droit à des soucis mécaniques, on assistera à des chutes. Et on prendra place dans des sprints. Mais surtout de très bons résultats et énormément d'expérience engrangée. Quentin Ruel. Bienvenue dans cette série de 7 vidéos du Triangle Sudbury. Rendez-vous tous les soirs à 18h pendant une semaine pour suivre l'aventure. On se retrouve déjà pour la 4e étape de ce Triangle Sudbury. Aujourd'hui, on part pour un contre-la-montre de 15 km. C'est une épreuve qui est donc très particulière, mais je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Avant ça, fallait manger. Pour le coup, j'ai décidé de manger 4 heures avant afin de bien digérer avant le contre-la-montre et d'être sûr de ne pas avoir de gêne. On est ensuite parti au contre-la-montre dans la ville de Ulch, qui était seulement à moins de 15 minutes de mon logement. Autant dire que c'était plutôt pratique. Ça nous a permis d'arriver assez tôt, récupérer les dos de tsars rapidement, afin d'aller rapidement repérer le circuit, car c'est essentiel de connaître le parcours quand on fait un contre-la-montre. Et pour ce chrono, je partirai avec le Orbea, tout simplement parce que j'ai pas vélo de chrono. Bon, du coup, 3 heures avant le départ, je pars faire un tour de repérage. Il fait 15 bornes, donc ça va, c'est raisonnable, ça fera un petit réveil musculaire. On fera le protocole d'échauffement que mon entraîneur m'a donné plus tard, juste avant le départ. Là, c'est vraiment dans une optique de repérer le circuit et pas se faire surprendre l'ordre de l'effort. Bon, le repérage commence bien, mais en même temps, heureusement que c'est maintenant. Je crois que mon câble de dérailleur avant a pété. Je peux plus passer la grosse plaque. Donc, c'est problématique pour un contre-la-montre. Du coup, je vais essayer de trouver un mécano. Là, dans l'idée, heureusement, le départ est dans 3 heures, donc on a largement le temps de trouver une solution. Mais ça, c'est trop chiant, j'en ai marre. J'ai donc été voir le premier mécanicien que j'ai trouvé et pour le coup, il n'arrivait pas forcément à réparer le problème. Donc du coup, ce que je lui ai demandé, c'était de bloquer ma chaîne sur mon gros plateau. Alors certes, ma manette ne fonctionne plus, mais au moins, j'ai un gros plateau. Du coup, vu qu'on n'a pas eu le temps de faire le tour du repérage, on a été le faire en voiture afin de quand même pouvoir découvrir ce circuit. J'ai ensuite accompagné Noémie jusqu'à son départ et après, il était temps pour moi d'aller m'échauffer. Ensuite, il était l'heure. 5 minutes avant le départ, je me suis présenté sur la ligne afin de d'être à l'heure déjà dans un premier temps, mais aussi de me concentrer parce que c'est un effort qui est particulier. Il faut quand même se mettre dans un mindset où on sait qu'on va se faire mal. D'ailleurs, j'aimerais vous parler de mon tout nouveau compteur. Ça fait quelques semaines que je l'ai, quelques semaines que vous le voyez sûrement déjà sur les vidéos. C'est le Sigma ROX 12.1 EVO. C'est un compteur qui est orienté principalement sur la fonction GPS, qui est vraiment très bonne et pratique. Et moi, ce que j'aime bien avec ce compteur, c'est qu'il est hyper lisible. Regardez, même avec la GoPro, vous pouvez lire absolument toutes les informations. Donc autant vous dire qu'en course, c'est super pratique pour lire rapidement les informations. En plus, on peut personnaliser l'écran comme vous le voulez. Donc moi, je me suis mis que les données qui m'intéressaient. Je suis donc ici sur un compteur qui me plaît vraiment. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et maintenant, place au contre-la-montre. Mais avant que ça prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. Et si t'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre l'équipe afin que tu sois au courant de toutes les prochaines vidéos. 5, 4, 3, 2, 1, top! C'est parti pour un contre-la-montre de 15 km, une épreuve ultra difficile qu'est le contre-la-montre, c'est-à-dire qu'on est seul contre soi-même et le temps. Il y a donc 15 km à parcourir avec une côte principale à l'arrivée, mais tout le reste du circuit est légèrement vallonné. Vous allez voir, il y a 2-3 petits coups de cul. On en commence directement avec un gros faux plat. Ici, on en est enfin au sommet et maintenant, il va falloir commencer à embrayer parce que c'est un effort qui est très difficile. Faut réussir à allumer le moteur et pour le coup, je me suis pas particulièrement beaucoup échauffé parce que comme vous avez pu voir au début de la vidéo, j'ai dû m'occuper un petit peu de Noémie qui participait juste avant moi et en plus de ça, j'avais pas d'homme traîneur, donc très difficile de s'échauffer sur la route, je trouve. Donc l'échauffement était pas optimal, ce qui fait que mon cœur n'est pas monté très haut au départ. Vous allez voir bien sûr qu'il va monter au fur et à mesure de l'épreuve et que je vais d'ailleurs particulièrement bien gérer cet effort parce que je vais avoir un cœur qui va être extrêmement linéaire comme vous pouvez voir à l'image. Il n'y a pas du tout d'à-coup, je vais faire vraiment un effort de contre-la-montre qui va être très régulier. Sur ce début d'épreuve, on commence directement dans le vif du sujet parce que
on a cette première côte qui fait très mal aux jambes. Ensuite, on attaque cette longue descente qui, elle, va faire du bien pour être sincère. Mais une vitesse maximale quand même de 69 km/h en pic dans cette descente. Donc, fallait rester concentré. Vous avez bien compris que de toute manière, je ne suis pas sur un vélo de contre-la-montre. Je reste bien sur mon vélo traditionnel, mon vélo de route, parce que bah, j'ai tout simplement pas de vélo de contre-la-montre. Donc, pour cette épreuve, je reste sur mon vélo de route, ce qui est totalement un véritable désavantage vis-à-vis de mes adversaires, parce que sur un tel contre-la-montre qui est quasiment tout plat, hein, carrément, on peut le dire, on a un contre-la-montre avec seulement 114 mètres de dénivelé, et les 114 mètres sont quasiment dans la bosse de fin. Donc tout le reste du contre-la-montre, c'est vraiment du plat. Sur ce type d'épreuve, un vélo de contre-la-montre va rouler facilement pour le même type d'effort à 1 voire 2 km/h de plus sans forcer plus. Donc je suis vraiment désavantagé au départ de ce contre-la-montre avec mon vélo de route, mais c'est pas grave. Ce que je veux aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aller chercher la meilleure place possible au sein des vélos de route, effectivement. Et pour le coup, je pensais qu'il y allait avoir plus de vélos de route que de vélos de contre-la-montre. On est quand même en Open 2, en amateur, on n'est pas professionnel du tout, on n'est pas en élite non plus. Je pensais pas qu'autant de monde aurait des vélos de contre-la-montre. Et il se trouve qu'en fait, il y avait énormément de vélos de contre-la-montre. Par contre, derrière moi, j'ai un vélo de route et devant moi, j'ai un autre vélo de route. Par contre, il a des prolongateurs, ce qui lui donne un avantage. On a une minute d'écart entre chaque coureur et pour moi, l'objectif, ça va être de rattraper le coureur qui est devant moi. Ça veut dire que si je le rattrape, je lui mets une minute et ça signifierait que je fais potentiellement un bon contre-la-montre. Donc ça va être mon objectif, ça va être mon petit point de mire comme ça, au bout des lignes droites à chaque fois, qui va me booster avec l'objectif de revenir sur lui le plus rapidement possible, mais sans non plus exploser mon effort, parce que ça peut aussi donner des ailes et les cramer juste après et pas réussir à maintenir cet effort qui est quand même assez long. 15 km, ça représente tout de même à peu près 20-22 minutes, donc ça veut dire qu'il faut les maintenir, cet effort, voilà, faut pas craquer. Et regardez au fond, on l'aperçoit, on le voit le coureur qui est juste devant moi, donc ça va vraiment me booster, en tout cas moi ça m'a vraiment permis de me dépasser, le fait d'avoir quelque chose, un objectif et pas juste avoir pédalé un petit peu dans le vide, ça m'a vraiment aidé à me dépasser. Donc là je vais commencer mon effort va doucement monter petit à petit le cardio, parce que là plus ça va et plus c'est difficile. Sauf qu'il faut pas s'écraser, on a fait que 3 km, on va bientôt arriver au bout de cette première ligne droite et faut s'accrocher. Parce que là on a 3 lignes droites qui sont plus ou moins favorables avec le vent et ensuite on aura la partie qui sera un peu plus vallonnée. Donc là je m'accroche, on est quand même à plus de 40 de moyenne pour l'instant, donc ça se passe très bien. Moi, je me suis mis un petit objectif. L'objectif, c'est de parcourir les 5 premiers kilomètres en dessous de 7 minutes. Les 5 prochains kilomètres en dessous de 7 minutes. Bon, vous avez compris, 7 minutes tous les 5 kilomètres. Ce qui fait un total de 21 minutes. Ça, c'est le temps idéal plus plus. C'est pas le temps que j'espère faire parce qu'en vrai, 21 minutes, ça serait un chrono vraiment remarquable. Idéal, parfait, parce que je ne m'en pense pas capable, pour être sincère. Mais je me dis quand même, au moins sur les deux premiers secteurs, il faudrait que je passe sous les 7 minutes. Le troisième, on sait que lui, il est vallonné. Ça va être un peu plus difficile du coup de passer sous les 7 minutes. Mais on sait jamais, si je fais un bon chrono et que je suis en forme, ça peut passer. Et en l'occurrence, je suis plutôt en forme. Je suis efficace dans mon pédalage, j'arrive à être régulier. Dès que c'est légèrement montant, comme ici par exemple, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais il y a un petit pourcentage quand même. Et ben, j'arrive à envoyer des watts, j'arrive à pas m'écraser en fait dans mon effort, j'arrive à rester régulier. Donc franchement, sur ces 4 premiers kilomètres, je suis vraiment sur un effort idéal. D'ailleurs, mon seuil d'habitude, il est autour de 185. Ici, il se trouve que forcément, avec la fatigue des 3 étapes précédentes, eh ben, il est un peu plus bas. Il est plus autour de 170-175. J'ai du mal à monter au-dessus, tout simplement parce que voilà, la fatigue fait que le cœur est un petit peu plus bas qu'à mon habitude. Donc assez rapidement, je vais m'en rendre compte. Je vais comprendre que mon seuil, il est autour de 175. Et je vais essayer de ne pas dépasser 175. C'est-à-dire que dans les descentes, je vais redescendre un petit peu en dessous, comme ici à 170. Et dans les côtes, je vais sûrement monter un petit peu plus afin de, comme ça, lisser mon effort et ne pas m'écraser dans les parties les plus difficiles. Et plus ça va, plus je me rapproche du coureur qui est devant moi. Bien entendu, je ne m'occupe absolument pas et jamais du coureur qui est derrière moi. Si à un moment il me rattrape, tant pis, mais
a aucun intérêt de regarder derrière. Vraiment aucun intérêt. On reste focus à l'avant. C'est essentiel. Donc je suis focus. Je regarde essentiellement devant. Normalement, j'avais les oreillettes avec Noémie dans la voiture suiveuse pour avoir les informations. Malheureusement, au bout de quelques centaines de mètres, bah, il n'y avait plus de réseau, donc le téléphone a raccroché. Et vu qu'on n'a pas un système d'oreillettes conventionnel comme pour les contre-la-montre, on était juste par appel téléphonique. Et bah, au bout de quelques secondes, bah, il se trouve que je n'avais plus d'oreillettes. Donc je n'avais plus aucune information, je n'avais plus aucun encouragement, je n'avais plus rien du tout. J'avais juste le vent et mes jambes pour pédaler. Donc c'était un effort vraiment solitaire de A à Z, là pour le coup. On était coupé du monde et coupé de mes encouragements que j'aurais pu avoir grâce aux oreillettes. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça, on n'a pas de système d'oreillettes fiable. C'est dommage, mais c'est pas très grave. De toute manière, on a l'habitude de faire les efforts seuls d'habitude. Mais là, c'est quand même assez long, 20 minutes, on se rend pas compte. Mais quand on est à bloc, eh ben ça fait mal. Ça fait vraiment mal aux jambes. Et chaque petit faux plat, comme ici, où on est à 1-2%, eh ben ça pique les jambes. Ça pique les jambes, mais ça fait un peu mal au moral. Et là, je passe le palier des 5 km. Et là, je regarde mon compteur, je mets 6 minutes 45. C'est-à-dire que j'ai 15 secondes d'avance sur le temps idéal que je rêvais de potentiellement faire. Donc là, je me dis, ok, ça, c'est une bonne chose. Je suis dans les temps que je me suis fixé. Maintenant, on attaque la deuxième secteur de 5 km. Faut que je m'accroche et il faut que je reste à cette allure et que je garde comme ça les 7 minutes aux 5 km. Et c'est un objectif qui va me permettre un petit peu de me driver parce que forcément, sur ce type d'effort, j'ai aucune connaissance de moi-même. J'en fais jamais des contre-la-montre. La dernière fois que j'ai fait un contre-la-montre, c'était il y a 2-3 ans. J'avais un vélo de contre-la-montre à cette époque-là. Donc, c'est incomparable. C'est le premier contre-la-montre que je fais en vélo de route de ma vie, je crois. Et dans ma vie, j'ai dû en faire 3 des contre-la-montre, je crois. Donc, autant dire que j'ai aucune référence vis-à-vis de moi-même. Mais tout ce que je sais, c'est que le coureur qui est devant moi, plus ça va, plus je le rattrape. Et pourtant, il est un peu avantagé parce qu'il a des prolongateurs sur son vélo de route, ce qui fait qu'il a une position plus aéro et donc un peu plus de puissance, un peu plus de pénétration dans l'air, ce qui fait qu'il roule techniquement plus vite. Donc là, je me dis, ok, je suis en train de revenir sur lui, c'est quand même un très bon signe. Ça veut dire que je fais un bon effort et plus ça va, plus je reviens sur lui. Donc je suis quand même régulier, et de toute façon on le voit bien, hein, mon cœur il est tout le temps dans les alentours de 170, c'est vraiment une ligne droite. De toute manière, je vais faire 175 de moyenne sur ce contre-la-montre, ce qui est donc exactement le seuil que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc j'ai vraiment fait un effort parfait. Je peux pas m'en vouloir en fait, j'ai pour l'instant fait le contre-la-montre parfait vis-à-vis de moi-même. Là, on va bientôt arriver doucement jusqu'au premier virage réel de ce circuit, c'est-à-dire le premier virage où il faut un petit peu ralentir. Parce que pour l'instant, depuis le début, il n'y a aucune raison de freiner, aucune raison de ralentir. C'est juste des watts et des watts. Là, on va arriver dans le premier virage avec un petit peu de technique, si on veut. Donc, je me mets à l'extérieur maximal pour piquer sur la droite sans freiner. Regardez, je ne touche pas au frein. Je pédale même presque dans le virage. Et là, je relance 600 watts dans la sortie du virage pour me relancer et reprendre directement de la vitesse. Comme vous pouvez le voir, on est directement à plus de 44 km/h, ce qui est quand même, encore une fois, une belle vitesse hein, sur ce type d'effort, surtout en vélo de route. Encore une fois, c'est quand même quelque chose qui est difficile, mais au moins, sur le vélo, je suis à l'aise. C'est le vélo avec lequel je roule tous les jours, c'est le vélo avec lequel je roule depuis le début de la semaine, et pour le coup, bah, je suis à l'aise sur le vélo. Par contre, forcément, je n'ai pas une position aéro. Certains d'entre vous vont sûrement me demander pourquoi je mets pas les mains en bas. Et bah tout simplement parce que j'ai pas l'habitude. C'est-à-dire qu'en course, je roule très très rarement les mains en bas. Et quand on met les mains en bas, les muscles de nos cuisses travaillent un petit peu différemment. Ce qui fait que si là je mettais les mains en bas, non seulement je serais pas à l'aise, mais ça c'est dans la tête, mais surtout mes muscles, eux, sont pas habitués à travailler dans cette position-là. Donc je suis moins efficace, voire même moins fort, je pense. Je pense que j'ai moins de puissance quand je mets les mains en bas. En tout cas, c'est la sensation que j'en retire. Et en plus de ça, j'ai remarqué que plus je mets les mains en bas, plus les crampes viennent vite. Donc, on prend pas de risque, je reste avec ma position les mains haut. Certes, je suis pas aéro, on va faire ce contre-la-montre tout en puissance. Vous allez voir que je vais aller chercher un très bon résultat. Donc, je suis pas peu fier de ce contre-la-montre, malgré ma position, malgré mon vélo traditionnel. Donc, je vais tout donner et chaque petit coup de cul comme ça, ça va picoter les jambes, mais chaque petite descente va faire plaisir malgré le fait que, eh ben, on n'a pas le droit de se relâcher.
Là, on est sur un effort chronométré. Donc, il n'y a pas de répit. On se la met et on se la met jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, ça y est, on a dépassé la moitié du contre-la-montre. On est enfin à la moitié, j'ai envie de dire, parce que là, ça commence à me paraître très long dans ma tête. Et on n'est encore pas arrivé à la partie la plus difficile du circuit avec la gigacôte. Donc, ça laisse à présager que ça va être encore bien difficile. Et petit à petit, bah, je rattrape le coureur devant moi, mais j'avais un petit espoir de le rattraper plus vite. C'est-à-dire que au début du circuit, je l'ai rattrapé très rapidement. Et ici, à moitié contre la montre, je le rattrape de moins en moins vite. C'est-à-dire que là, à ce moment-là de la course, on roule quasiment à la même vitesse. Soit il a accéléré, soit j'ai un petit peu ralenti, je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que je suis pas en train de le rattraper à ce moment-là de la course. Donc je me dis un peu, ah mince, faudrait peut-être que j'accélère un petit peu parce que c'est peut-être que je ralentis. Alors ça se trouve, c'est juste lui qui a accéléré, mais dans la tête, ça me mettait un petit truc au moral où je me disais, faut que j'accélère, faut que j'accélère. Et c'est ça aussi qui m'a permis de me dépasser. Ce petit coureur devant moi, là, tout simplement, et bah, ça m'a vraiment permis de me dépasser. D'ailleurs, au niveau de la cadence, vous pouvez voir que j'ai une super cadence de pédalage. C'est-à-dire que je suis tout le temps, aux alentours de 100 tours par minute. Ce qui veut dire que je suis ni en puissance, ni en vélocité. Je suis vraiment dans un ratio qui est idéal. Je suis dans un rythme de dépédalage parfait, on va dire. Parce qu'on dit souvent qu'un bon rythme de pédalage, c'est aux alentours de 100. Et c'est exactement le rythme de pédalage que je vais avoir. D'ailleurs, je vais faire une moyenne de 98 de cadence. Donc, autant dire que niveau rythme de pédalage et gestion de mes vitesses derrière, c'est idéal. J'en profite pour me prendre un petit coup d'eau. Je m'arrose un petit peu dans cette petite descente, tout simplement parce qu'il faisait particulièrement chaud au départ de ce chrono. Vraiment, ça a été très particulier parce que c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un coup de vent, le vent était brûlant, ça te brûlait, ça passait par ta gorge et ça te brûlait en fait. Le vent était chaud, c'était franchement, encore une fois, ça rajoutait un peu de difficulté à ce contre-la-montre qui est déjà une épreuve ultra difficile. Et d'ailleurs, Noémie a participé juste avant, elle me l'a dit et avant le départ, elle m'a dit « Quentin, il fait très très chaud, faut absolument que tu partes avec un bidon, que ce soit pour boire un tout petit peu par-ci par-là dans les descentes quand tu peux, mais aussi parce que bah faut s'arroser un peu, ça fait vraiment du bien. Juste, on perd une seconde dans les descentes, ça vaut le coup. » On arrive au panneau 5 km. On a fait 10 km et nous sommes actuellement dans les temps. C'est-à-dire que là, on a passé ce panneau tout pile avec 14 minutes. C'est-à-dire que je suis parfaitement dans les temps que je m'étais fixé. C'est juste impensable parce que je pensais pas ça possible en fait. Moi, quand je m'étais mis ces temps-là, je m'étais dit « bon, je me mets un temps parce qu'il faut que je me mette un objectif », mais je pensais vraiment pas être capable d'aller taper les 21 minutes. Je sais pas exactement à combien de moyenne ça correspond, mais c'était quelque chose qui était un peu impensable pour moi, donc je suis trop refait à ce moment-là de la course en fait. Je me dis, je suis en train de faire un temps monstrueux, je suis super fort. Donc là, on passe dans l'avant-dernier virage du circuit, on relance encore une fois, c'est très important. Et là, faut pas s'écraser parce que là, il y a un petit coup de cul encore une fois. C'est très très léger, mais juste ça te pousse à pousser 400 watts. Forcément, avec le léger dénivelé, hein, 3%, 4%, c'est quand même quelque chose que tu ressens dans les jambes, hein, mine de rien. Et directement, on roule un peu moins vite. Regardez, je suis passé pour la première fois du contre-la-montre en dessous des 40 km/h. Mais c'est normal. Et puis on voit bien avec le coureur qui est juste devant moi, il roule pas plus vite que moi en fait. Donc ça me rassure un petit peu et je me dis juste, là, faut serrer les fesses. On est à plus de 300 watts, 400 watts, constant à maintenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis de toute manière, on n'a pas le choix. Faut aller traverser cette ligne le plus rapidement possible. Donc si je veux atteindre mon objectif des 21 minutes que je pensais impensable, mais que du coup je suis actuellement en train de maintenir, eh ben, faut continuer. Donc je continue. Sur ce contre-la-montre, il faut savoir que j'aurais fait une puissance moyenne de 336 watts. C'est juste monstrueux. Ce qui fait 340 watts en moyenne pondérée, c'est-à-dire si on enlève les moments où je pédale pas, 340 watts sur une vingtaine de minutes, c'est juste énorme. C'est bien plus haut que ma FTP que j'avais pu faire en début de saison. Et je suis très content de cet effort. C'est-à-dire que j'ai littéralement battu mes records de puissance sur une durée aussi longue, en étant en solitaire comme ça, sur un contre-la-montre, un effort que je connais même pas, que je ne maîtrise pas. Là, on attaque la dernière descente, la descente avant la côte finale. Vous voyez, je m'arrose un petit coup, je vide le bidon, je me dis, allez, si on peut gagner 50 grammes, on les prend. Et puis, de toute façon, dans la descente,
je peux pas rouler beaucoup plus vite, hein. Je suis à 55 km/h. Faut relâcher, faut reposer un petit peu les jambes, parce que je sais que la côte après, elle va être difficile. Donc prendre le temps de s'arroser, ça me faisait pas perdre de temps particulièrement. Mais par contre, ça faisait vraiment du bien, surtout en vue de la côte qui va arriver. Là, on a un petit coup de cul, je savais qu'il était très court, donc je vais le monter en puissance, regardez, à quasiment 500 watts. Le but, c'est de ne pas perdre de temps dans ce coup de cul, je sais qu'il va être rapide. Panneau des 3 km, ça y est. Et regardez le coureur devant moi, plus ça va, plus il est proche. Et j'y crois, je sais que je peux le rattraper, je veux tout faire pour le rattraper avant la ligne d'arrivée. Et ça va être mon objectif jusqu'à la fin de la course. Regardez mon cœur, il est en train de monter, plus ça va, plus il passe au-dessus des 175. Forcément, l'effort devient de plus en plus long, donc le cœur, lui, il subit de plus en plus et il monte. D'autant plus que moi, au fur et à mesure, j'augmente le rythme. Regardez, je suis à plus de 560 watts dans ce coup de cul. Je le monte encore une fois en impulsion. Je me lève même sur les pédales parce que je sais que là, on attaque une descente légère qui va nous emmener au pied de la côte tant redoutée. Et cette côte, va falloir bien la monter parce que c'est là que le chrono va se jouer. C'est là que tout le monde peut craquer. C'est là que le classement va se jouer, hein, tout simplement. Sur la route, sur le plat, c'est facile, tout le monde peut pédaler. Dans la côte, c'est là que chaque seconde va compter. Ça fait 18 minutes qu'on est parti, il nous reste que quelques minutes pour franchir la ligne dans les 20 minutes, 21 minutes, 22 minutes. Faut savoir que le premier, il a mis seulement 18 minutes et quelques. Environ 48-49 de moyenne, c'est monstrueux. Hein. Dites-vous que j'ai jamais roulé à 49 moi sur le plat. Mais forcément, lui, il avait un vélo de chrono, c'était un spécialiste du chrono en plus de ça. Donc, c'est incomparable. Mais voilà, je vous donne juste le temps de référence. Le mec qui gagne passe en dessous des 19 minutes, c'est monstrueux. Et ça y est, moi en attendant, je suis dans la côte. Ça se voit pas trop à la GoPro, mais ici ça monte. Donc, je vais la monter debout sur les pédales. Regardez, je mets 600 watts. Je m'écroule un petit peu, mais je continue mon effort. Je maintiens quand même les 400, 500 watts. Donc, je suis pas peu fier de cet effort hein, dans les 7% que représente cette côte ici. Donc, j'enchaîne, j'appuie sur les pédales et là, forcément, mon cœur, il monte. On est à plus de 180 BPM. Là, forcément, c'est le moment. De toute manière, moi, ma stratégie, c'était d'arriver au seuil, au pied de la côte, d'avoir fait tout le début au seuil. Et à partir de la côte, c'était monter la côte à bloc, ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là, je donne tout, je garde rien, je m'en fous. De toute façon, il reste 2 km à peine. Donc, je donne tout. Mon cœur, lui, va monter de plus en plus haut, vous allez voir. Et regardez, malheureusement, il y a un coureur qui me rattrape. Et au début, je pensais que c'était le coureur qui était parti juste derrière moi avec son vélo de route. Donc, j'étais un petit peu dégoûté. D'ailleurs, je l'ai pas entendu arriver, donc j'ai failli me rabattre sur lui. Et au dernier moment, il me fait gauche, 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 donc je le laisse passer. Et en fait, il se trouve que c'est le mec qui a gagné en moins de 19 minutes. Donc voilà, en fait, je suis pas trop déçu qu'il m'ait doublé parce que le mec, il fait plus de 48 de moyenne. Donc à partir de là, je me dis, on n'est pas dans le même monde. Il a un vélo de chrono en plus, donc il est carrément avantagé. Ce qu'il en est, c'est que le fait de me faire doubler, moi, ça m'a motivé. Bon, pendant une seconde, je vous avoue, ça m'a un petit peu... je me suis dit, mince, ah, fait chier, je me suis fait doubler, c'était pas l'objectif du jour. Mais quand je vois que le mec, il a gagné le contre-la-montre, je me dis, c'est pas grave, franchement... Je suis pas déméritant à m'être fait doubler par cet adversaire qui est juste monstrueux. Et moi, du coup, ma stratégie, après la côte, c'est de finir à bloc. Là, on va passer au panneau 1 km. C'est très bientôt. Donc, en fait, il reste que quelques minutes à parcourir. Donc là, faut tout donner. J'ai plus de calcul. Après la côte, de toute façon, c'était prévu. Je me donne à fond. Et regardez, mon cœur, lui, il le fait que de monter régulier, comme ça. C'est juste un effort hyper linéaire. Et regardez devant moi, le coureur d'Orléans, plus ça va, plus je le vois et plus je peux lire son numéro de dossard tellement il se rapproche. Donc là, je suis juste surmotivé. Je veux tout donner. Il nous reste moins d'un kilomètre à parcourir. Donc je veux me mettre minable à la planche. Je vais mettre le plus de watts que je vais pouvoir. Je vais mettre tout à droite sur mon vélo. Et là, faut embrayer. Faut embrayer parce que ça descend quasiment jusqu'à l'arrivée. C'est descendant. C'est facile. Faut juste appuyer et mettre des watts. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. On va prendre de la vitesse. Regardez, on est à plus de 50 km/h. Moi, je suis à plus de 187 pulsations. Je vais monter jusqu'à 191. Et là, on est à plus que 500 mètres de la ligne. Et j'ai toujours pas rattrapé le coureur d'Orléans. Donc là, je me dis, faut tout donner. Faut revenir sur ce coureur, ce qui symboliserait avoir fait un bon temps. Et c'est ce que je vais tenter de faire. Je vais me mettre minable. On va arriver dans le tout dernier virage où il n'y a pas besoin de freiner. Il y aura juste
besoin de relancer un maximum jusqu'à la ligne. Et du coup, je vais pouvoir aller franchir cette ligne comme ça, en étant totalement à bloc avec près de 41,1 de moyenne. C'est bien au-delà de mes espérances. Pour moi, faire 42 de moyenne, c'était presque inenvisageable. Donc 41,1, je suis juste super content. Et je vais donc franchir la ligne en 21 minutes et 30 secondes 0-0. C'est juste trop génial. Bon, c'est 30 secondes de plus que ma prédiction que je pensais impensable, mais en même temps, c'est tellement mieux que ce que j'espérais. Donc je suis juste super heureux d'avoir pu vous proposer une telle prestation sur ce contre-la-montre. Je vais me classer par contre en 35e position. Effectivement, les vélos de contre-la-montre étaient inatteignables en fait. C'était impossible de battre des vélos de contre-la-montre. Il faut savoir qu'avec cette 35e position, je me retrouve dans les 5 premiers en vélo de route. Alors je peux pas vous le dire exactement parce que il y avait trop de vélos de contre-la-montre, c'est difficile de compter, mais je pense que je fais 3/4 des vélos de route, ce qui est incroyable. Franchement, c'est vraiment super pour quelqu'un qui a pas l'habitude de faire des contre-la-montre, pour quelqu'un qui s'est mal échauffé en plus. Donc je suis juste super content de cet effort. J'espère que vous êtes aussi très content de moi. Je vous invite à regarder la vidéo demain. Il y a une étape par jour qui sort. Aujourd'hui c'était la 4e. Le lendemain, on part pour la 5e étape, qui sera donc une belle course. Vous allez voir, je vais faire un très très bon résultat, donc ça c'est top. Je vous donne donc rendez-vous demain à 18h. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore rejoint l'équipe. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Ça m'aide énormément à développer la chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.